Donc, après 10 heures sur le pouce, une nuit dans la rue, on traverse en ce moment pour le Pérou. Ici, on traverse pour le Pérou. Nous voici maintenant rendus à Cusco. Cusco, c'est la capitale de la province de Cusco. C'est dans le sud-est du Pérou. C'est pas très très loin des ruines très connues de Machu Picchu. Pas très très loin non plus du lac Titicaca, qui c'est environ une dizaine d'heures. C'est aussi une quinzaine d'heures de La Paz. La Paz qui est la capitale de la Bolivie. C'est une super belle ville, c'est très colonial. C'est aussi mélangé avec la culture Inca. Donc on peut voir dans la ville même des ruines Inca, puis on peut voir évidemment tout le développement colonial que les Espagnols ont fait. Donc c'est une ville qui vaut vraiment la peine d'être vue, c'est une ville même qui vaut la peine d'y vivre. C'est propre, on peut trouver tout, finalement je trouve ça sécuritaire aussi, c'est dans les montagnes, moi j'adore ça personnellement. Les gens sont super gentils, c'est quand même c'est pas cher non plus pour nous évidemment, pour les Occidentaux, mais par ici par exemple c'est une ville qui est un peu plus dispendieuse. Si, tranquillo, muy tranquillo. C'est relax, c'est cool. Une autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que Cusco, c'est une ville qui est quand même assez touristique, mais qui a su garder son côté culturel. Donc, c'est une ville que je considère qui n'est pas corrompue par le tourisme, mais qui a réussi à faire une bonne harmonie entre le développement du tourisme et garder sa culture ancestrale. ¿Cómo te llamas? Xuana. Xuana, mucho gusto. De Lima. ¿De Lima estás? Sí, soy de Lima. Ah. Super toi que j'adore. C'est cool hein les toits. Tout comme ça, les beaux toits.
¿Cómo te llamas? Flor. ¿Flor? ¿Estás de aquí? ¿Ah? ¿Estás de aquí? Ah, sí, de Cusco. ¿De Cusco?